Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de ma carrière sur FIFA 22. Donc ça s'était assez mal passé dans l'épisode 17 parce que regardez, on avait malgré tout, on avait gagné le premier match de coupe face à Valence. Voilà, c'est ça, 1 à 0. J'étais rentré en cours de jeu et j'avais fait une petite passe décisive qui nous avait offert la victoire. Ensuite, au terme d'un match incroyable, on avait perdu 4 à 2 en quart de finale de la Coupe d'Espagne, du coup, face au Real Madrid. Et enfin, le dernier match s'était soldé également par une défaite 4 à 2 face à l'Espagnol Barcelone. Elle nous avait fait très très mal. Faut se rattraper, les gars, aujourd'hui, on a trois beaux matchs à jouer. Valladolid, ensuite, on recevra Eibar. Et enfin, on se déplacera au Camp Nou pour le dernier match de la vidéo. Ça va être incroyable. Et les trois matchs, faut faire des bons résultats, comme d'habitude, vous connaissez. On va voir au classement, du coup, on est septième, si je ne me trompe pas. Ouais, on est septième à 4 points de Villarreal. Donc, on a le même nombre de matchs. Donc, va falloir au moins deux matchs pour la repasser devant. Va falloir s'y mettre. On va d'abord faire un petit entraînement tranquille, ça va nous faire du bien. Voilà, tout simulé comme d'hab. Sinon, c'est trop long. On a fait un petit A, c'est pas mal. Et on va simuler jusqu'au match face à Valladolid, les gars. On est titulaire. Et n'oubliez pas que j'ai perdu la confiance du coach après avoir été blessé pendant 8 semaines. Il a trouvé d'autres confiances et d'autres joueurs. Donc il faut lui prouver que on n'a pas régressé parce qu'on était pas mal quand on n'était pas blessé. Et là, pendant les 3 derniers matchs, j'ai pas fait grand-chose. Donc il faut que je me rattrape dans ce match. Valladolid 18e, donc ils sont pas terribles. Va falloir faire le nécessaire pour les gagner et pour se rapprocher un peu plus de l'Europe à la fin de la saison. On est associé à Mbolo qui marque beaucoup en ce moment. Berenguer à droite, Mouniaïn, donc c'est pas mal. Toujours Zidane au cage. Et du côté de Valladolid, pas grand chose qui est extraordinaire, on va dire. On verra sur le terrain qu'est-ce que ça va donner. Ils jouent en 4-4-2 apparemment. Donc, on est parti direct pour ce match, les gars. Encore de la neige, et bien en ce moment, l'Espagne, on n'est pas gâté en termes de temps. Salut à toutes et Va tous. falloir Merci d'être là, merci d'être faire le fidèle nécessaire. Allez, à cette eh antenne. ben, On on va voit rien. commencer Allez. un petit peu la rencontre. Ok, pas mal. Le petit combo Mbolo! Là 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 là, le missile. Direction la lucarne. Signé Mbolo, les gars. Un petit jeu de passe entre moi et lui, et là, il n'a pas hésité. Franchement, faut que je prenne exemple sur lui parce que en ce moment, c'est lui qui nous mène vers la victoire. Même si j'ai fait une passe décisive, c'est lui qui a fait le plus de choses dans cette action. Et voilà, la très 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 belle frappe. Bon, c'est pas la lucarne, mais franchement, elle est partie très très vite et très très forte. Mbolo 1-0, les gars, c'est très bien. J'arrive à la décaler. Malgré le long ballon, il peut me la remettre. Superbe, j'y vais. Allez. Mbolo, ah non! Bien joué, Mouniaïn. Ok. Je voulais viser vers là, mais je sais pas pourquoi Mbolo il s'est en allé. J'avais pas vu Mouniaïn au second poteau, les gars. 2-0. Le capitaine qui va marquer. Positionnement dans les buts. Je me suis bien avancé. Et ouais, je voulais exactement la mettre là, mais Mbolo j'avais pas compris pourquoi Mbolo s'était reculé. compliqué d'aller récupérer ce ballon. Super, 2-0. Ça. Pas mal ce ballon pour Mbolo. Je vais la demander. Je la frappe! Oh Volée là là. magnifique. J'arrive plus à Qui est cadrer, bien les gars. derrière. C'est une cata. On va Attention, il revenir un peut petit peu. centrer là. Bien joué. Il va la tenter. Oh là là, Ah, 3-0. que c'est beau. Incroyable, c'est la balade. Zaraga, les gars, qui vient conclure pour ce troisième but. Une petite frappe de loin. Ça fait Comme le il a 3-0 direct. l'habitude. Vraiment pas mal. J'ai rien à voir avec l'action, moi, mais franchement, il se l'est fait tout seul. Bien joué à lui. On la revoit. Voilà, très bien parti. Et ça fait but. 3-0, les gars. À la 33e minute. Bien joué, Mbolo. Tu m'as vu? Qui à Ok. Je Mouniaïn, l'attends de cette frappe. Oh Guendouzi, là mais là, quel encore gâchis! au-dessus, les gars. C'est une cata. Presque seul face au but. C'est une cata. Attention à la dernière Oh, trop fort pour action. le gardien Ok, adverse ça va. finalement. Et Mais écoutez, les l'arbitre gars, qui siffle à 3-0 l'instant la fin de pour cette cette première première période. période. Franchement, C'est tout le déjà monde joue bien. 3-0. On attend une Sauf moi réaction devant les cages, j'y arrive peut-être pas. en seconde En termes période, de faut passes voir. décisives, ça va, mais par contre, en termes de but, je suis dégueulasse, j'arrive à rien cadrer.
C'est une cata. Il faut vraiment que j'arrive à retrouver le chemin des filets pour reprendre de la confiance parce que là, ça va pas du tout. On va voir pour la seconde période comment ça va se passer. Bien joué. Je la tente, la frappe du droit. Oh la barre, les gars, c'est pas possible. Je la joue sur un bolo. Bien joué, il va frapper. 4-0. Incroyable, les gars. Il vient de rentrer en plus, lui. Je sais pas qui c'est. Morchi, ok, je sais pas comment ça se dit. Morsi, Morki. En tout cas, il a marqué. Il a marqué, pardon. On joue vers le milieu. Je rentre dans l'axe. Encore. Je la tente. Oh, tu, les gars. Ah là là, c'est pas possible. Attention, la frappe lanterne encore. Bien joué, Zidane. Ok, elle est pas mal dans l'axe. Oh là là, carton rouge, ça. Franchement, par derrière, s'il met pas le rouge, c'est chaud. On va voir ça. Je crois qu'il a mis jaune. Hein. Carton rouge, ok, non, carton rouge, ok. Le coup franc, ouais, non. Attention. Oh là là, oh, où est le... Oh, il a sifflé, ce fou, c'est un malade. Heureusement pour nous qu'on gagne 4-0, mais franchement, c'est un fou de siffler là, l'arbitre. Il allait tirer. Bon, ben les gars, du coup, victoire 4-0. Malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à ouvrir mon compteur depuis le retour de blessure. Deux passes D quand même, c'est vrai que c'est pas dégueu, mais... Ouais, il faut que je retrouve le chemin des filets là, et vite. Est-ce qu'on a gravi un petit peu d'échelon au classement? On va voir ça. Alors, on est toujours 7ème, mais cette fois à 1 point de Villarreal. Mais ils ont pas joué, on va voir combien ils vont faire. Offre de transfert pour moi, Villarreal. Ceux qui sont juste devant nous, ils m'ont proposé un contrat, les gars. Je refuse, je veux rester. Je souhaite pas partir comme ça, j'ai envie de dire, en cours de saison. Je veux prouver que j'ai ma place. Donc on va jouer Eibar, 17ème. On va voir combien ont fait Villarreal, je crois qu'ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné Villarreal, 41 points. J'aurais dû les rejoindre, non, je rigole, quand même. Donc on va jouer Eibar, 21 points. On va voir un petit peu ce que ça va donner, les gars. On part directement pour ce match. Je suis encore une fois titulaire aux côtés d'Embolo. Tout le monde est là. Attention à Eibar quand même. Les matchs pièges comme ça. Il faut prendre les 3 points. Parce que au Camp Nou, ça va être compliqué d'en prendre même un seul. Enfin, même s'il n'y a pas le Camp Nou dans le jeu. Mais vous m'avez compris. Allez. Très très beau tifo en plus. On y va les gars. San Mamés est en feu. Donc c'est parti. Pas mal. Je le décale. Mbolo. Mbolo 1-0. La passe décisive. C'est moi son passeur, les gars. Je suis pas le buteur, mais en termes de passe D, surtout pour Mbolo, je suis là. Incroyable. Il finit encore cette action magnifiquement bien. Il nous fait du bien. On va pas mentir, il nous fait du bien parce que franchement, il en loupe pas une. Encore, c'est pas posé de question. Elle a dû partir au moins à 120 km/h. Incroyable. Bien joué les passements de jambes. Oh là là, il me la met mal. Mais penalty, ok, j'ai gagné un penalty. Pas mal. Ce serait bien que je le tire moi en vrai pour la confiance, même si je n'aime pas les tirer dans le jeu. Ouais, en vrai, je sais pas s'il y a faute. Je le fonce dedans moi. Ah, c'est moi qui le tire, ok les gars. Faut que je me concentre. J'ai pas le droit de le louper. Je la tire ici. Et voilà le but. La reprise de confiance, les gars. J'ai pas cherché à la mettre à terre. Je l'ai mise en l'air. Voilà. Petit coucou à la caméra. Il fait du bien, celui-là. Merci à celui qui m'a laissé le tirer, le PNO, parce que franchement, il fait du bien au moral. J'espère que c'est grâce à ça que je vais revenir en confiance, j'ai envie de dire, au niveau des buts. Même si au niveau des passes, ça va. Nickel, les gars. 2-0. Moi et Mbolo, en termes de buteur. Bien joué, tu m'as vu. Je l'attends, une touche, et oui. Le doublé, les gars, la frappe extériorisée du gauche. Une touche. On reprend de la confiance. Voilà, la célébration.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Franchement, pas mal du tout cette action. Avec une belle récupération, Mbolo encore impliqué, il me la met là, la frappe. Bien extériorisée pour le 3-0. On la revoit. Qu'est-ce qu'elle part bien. Ah, ils font du bien ces buts. 26 minutes, les gars, doublé en 5 minutes. C'est incroyable. Allez. La balle pour Mbolo. Pour son doublé à lui aussi. Mbolo pour son doublé. Son doublé. Passe décisive. Deux buts de passe des pour moi. Quel but d'Mbolo encore une fois. Très lucide à la finition. Ballon à terre sur la gauche du gardien. Enfin sur la droite du gardien plutôt. Pas mal du tout. C'était bien amené. Je pensais qu'il allait la rater. Je vais pas vous mentir. Mais franchement. Très belle finition les gars. On est incroyable. Allez. Je lui mets sur la gauche. Mbolo. Mbolo qui est parti, Mbolo qui dribble, Mbolo, le triplé, incroyable, ce qu'il lui a fait au défenseur et au gardien là-dessus, incroyable, quel jeu les gars, j'espère vraiment qu'avec ça on pourra aller gagner à Barcelone, mais franchement, incroyable Mbolo, regardez ça, avec un petit crochet, il a tué le défenseur et là le gardien comme d'habitude, il fusille tout ça et ça fait 5-0. À la mi-temps, les gars, incroyable. Rien à redire, franchement, il y a tout qui va dans ce match, autant pour moi qu'Mbolo et l'équipe. Franchement, c'est super. On a vu Villarreal qui font 0-0. Espérons que ça continue comme ça pour qu'on puisse les rattraper. Et on est parti. Bien joué, gardien. Attention. Je l'attends d'ici. Oh là là! Le but, le triplé, franchement, je pensais pas qu'elle allait rentrer. Je me suis dit, je l'attends de loin. Et comme quoi, les gars, faut oser dans la vie. Faut avoir du culot, parce que franchement, pour que celle-là rentre, il faut avoir du culot. On la revoit, franchement, je la frappe vraiment de loin. Incroyable. Bon, ça va être un peu loin, la montrer. Ok, c'est bon. Et là, elle part un petit peu extériorisée, pareil. Ça surprend le gardien, triplé pour moi. Triplé pour Mbolo et 3 passes des sorties d'Mbolo. Il a fait un magnifique match, les gars. On va bien finir et on va aller s'imposer au Camp Nou après, j'espère. Attention à la frappe. Encore, oh là là, il a eu de la chance là-dessus. Un petit peu de réussite, 6-1, les gars. C'est pas grave, dommage parce qu'on avait une grosse défense là depuis le début du match. C'est pas grave. Ok. Je l'attends que personne m'attaque, dommage. Attention à ce corner. Corner qui est dégagé. Personne m'attaque encore, je l'enroule du gauche. Oh là 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 là, le quadruplé. On reprend une confiance de folie, j'ai l'impression, grâce à ce penalty. Encore une fois, les gars, personne m'attaque, je me suis dit. Ok, la spéciale, et c'est rentré magnifiquement bien. L'enroulé. Du gauche, voilà, elle part très très bien. Le gardien peut rien faire. 7-1 dans ce match. Quadruplé. Ok, la fin du match, les gars. 7-1. J'espère qu'on fait peur au Barça quand ils vont voir ça. Je prends le ballon, je pourrais même en prendre deux. Franchement, très beau match de ma part. Pareil pour Mbolo et pour toute l'équipe. 10 de notes pour Mbolo avec un triplé. 10 de notes pour moi avec un quadruplé et 3 passes D. C'est difficile de faire mieux, franchement. C'est parfait, les gars, pour la confiance. On a largement dominé ce match. Villarreal qui s'imposait, par contre, malheureusement pour nous. Donc, on reste encore un petit peu loin. Homme du match, hein, j'imagine, pour ce match, pour moi. On va voir ça, les gars. On est 7e, et ouais, toujours à 4 points. Ils veulent pas lâcher le morceau. Va falloir continuer de gagner. Après, il y a la Real Sociedad, peut-être qu'on peut accrocher, pourquoi pas. Hein. Il faudrait voir. Du coup... On va faire l'entraînement. Encore une offre de transfert pour moi, la Roma. Eh ben, franchement, je commence à être un petit peu courtisé, mais malheureusement pour eux, je vais refuser. Je suis contraint de refuser. Je préfère rester à l'Athletic Bilbao. C'est mon club pour cette saison. Et après, on verra ce que je décide en fin de saison et ce que vous décidez également, les gars. C'est vous aussi qui importez. Donc, on voit que mes 4 buts ont été entendus. OM qui ont gagné, Roma 63 millions, ils ont offert pour Jeffreys, ok, ouais,
Info club plutôt, on va voir. Là quoi. Victoire 7-1. Ok, on n'a rien de fou sinon. Joao Félix qui avait été élu joueur du mois. Est-ce qu'on va être joueur du mois de février? On va bientôt le savoir. Mais ça va être compliqué. Donc les gars, on affronte le Barça. Le Barça qui est premier au classement. Avec 66 points. Donc on est très loin d'eux. Ça va être très 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 compliqué. C'est la meilleure équipe. Ils ont perdu une seule fois. Est-ce que c'est nous qui allons leur infliger leur deuxième défaite? Ça risque d'être compliqué. Pareil pour leur quatrième nul. On va voir les gars, il faut tout donner et repartir de là-bas sans regret. On est parti rater l'équipe. Incroyable. Ter Stegen, Christensen, Süle, Alba, Mukiele, Kovacic, Frenkie de Jong, Coutinho capitaine. Alors là, on aura tout vu. Memphis Depay, Ansu Fati et sûrement Gabriel Jesus, je dirais, je sais pas. Peut-être Jesus Corona, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de Pedri, pas de Gavi, ni rien. Les jeunes qui sont pas encore au top de leur niveau, mais sur le papier, ils ont une meilleure équipe, ça c'est sûr. Est-ce que Mbolo et moi, on va réussir à les contrarier? On va voir ça dans ce match. Il va falloir une grande équipe et de grands joueurs. Et la Voilà, bon, voici ça la ressemble à rencontre tout sauf au entre Camp tant Nou, de mais on dynamisme va faire et style. de patience. Quelle affiche au programme aujourd'hui! Très grosse Ne affiche. bougez pas, dans un instant, Barcelone affrontera Allez. l'Athletic Bilbao. Il y a du monde qui arrive. Et voilà, le stade plein à craquer. Un tifo de leur Bonjour, part du bienvenue à coup. toutes et à tous. Grand Ter plaisir de vous Stegen y est retrouver à l'œuvre. ici depuis Pour ce plusieurs jours tifo, quand on voit à droite, comme on voit à maintenant. droite. C'est carrément Et il y a magnifique du de monde, les part. gars. Direction l'Espagne aujourd'hui avec le grand Ok, la tifo de veste la Liga bugué, trop bien. Santander. Le Barça face à l'Athletic Alors on va laisser Bilbao. un petit peu, Quelle pourquoi émotion pas. aujourd'hui. Allez, voilà, tout le monde est là. Incroyable, on commence à serrer la main de grands joueurs là, les gars. Je suis tout petit comparé à eux, que ce soit en joueur ou alors même en niveau. Vraiment toc de pied, c'est abusé. Ok, Voici la composition on est FC parti. Est-ce Barcelone. que c'est là qu'on peut annoncer? On L'équipe va va voir jouer en ça, je 4-3-3. pense. On va voir comment ça s'anime réellement. Ouais, pour l'instant, ouais. Niveau défensif. Ok, pareil pour le milieu. Xavi entraîneur. Ouais, c'est Gabriel Jesus du coup, côté droit, les gars. Voici le 11 de départ de l'Athletic Bilbao. Et nous voici, On va jouer en Marcelino 4-4-2. entraîneur. Notre Classique. 4-4-2 habituel. Voilà, on est là. Et enfin, les deux buteurs. Moi et Mbolo. Allez, on est parti pour ce match, les gars. On va passer. C'est parti au Camp Nou. Je peux pas la mettre à Mbolo, je préfère la Yaël. mettre ici. Pas mal. La petite Mbolo. combinaison. Je la tente, la frappe. Oh Attention là là, magnifique. gros arrêt Elle de apparaît Ter Stegen, les gars. Je décalée. pensais pas que Et j'allais parmi passer la si mienne. je continuais ma course. Donc j'ai préféré la tenter d'ici. Franchement, très gros arrêt de Ter Stegen Bien. sur le côté. C'est pas mal ce qu'on fait. Bien joué. Attention, ça peut devenir Je la mets en intéressant. haut. Encore, bien joué la Attention. frappe. Encore. Allez, Bien on joué. contre celui-là. Oui, le premier but Et au le Camp but, le Nou. premier but dans cette rencontre. Incroyable, il a bien remise Mbolo. Franchement, j'ai hésité à lui demander. J'ai bien fait d'attendre. Il me l'a mise. Le premier but qui a surpris tout le monde. Le silence Il est bien placé, qui règne dans le mérite d'être stade là après pendant deux longtemps frappes parce que c'est contrées. son Voilà, moment. la lucidité. Mbolo, pareil. Et là, franchement, il peut rien faire. Ter Stegen. Incroyable où je l'ai mise en plat du pied. J'ai fait exprès de la remettre du côté où elle venait la balle. Et incroyable, 1-0 les gars. Pour l'instant, on peut pas rêver mieux. 16 buts en 18 matchs pour moi. Voilà, le score qui est Ça donc né, risque d'être 1-0. compliqué de tenir, mais franchement, pour l'instant, on est très très bien parti. Il peut revenir si c'est bloqué. Il Tu m'as vu? centre peut-être, allez. Attention, t'as rejoint Il Mbolo. remporte son Je la duel. mets en Il retrait centre pour peut-être. Mbolo! Mbolo! Oui! 2-0! C'est Incroyable magnifique, duo défense qui contre fonctionne attaque, toujours aussi voilà, il bien. a Il m'a marqué. fait une passe D, je lui rends l'appareil, les gars. Incroyable, quelle finition d'Mbolo là-dessus. 2-0, on Entendu gagne. ça, ce centre en retrait là-bas. C'est Inimaginable. le talent Voilà, retrouvé j'ai de bien Mbappé. avancé. Là, je l'ai mis au dernier Qui moment commence son et excellente il partie. finit.
avec des buts dont il a seulement lui le secret. Incroyable. Attention à Tsoufati là-dessus. Pour De Jong. Lolo, le poteau rentrant. 2-1. Ils réduisent l'écart. C'est loin d'être fini ce match, les gars. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Très beau travail dans Tsoufati pour De Jong. Et franchement, là, le Casidane, il peut rien faire sur le poteau rentrant. Allez, faut rentrer au moins à la mi-temps avec ce score, ce serait bien. Allez, il m'a laissé l'espace, je la croise, et voilà le doublé pour moi, incroyable, Mukele qui m'a laissé l'espace, j'ai pas hésité les gars, voilà, avant de rentrer à la mi-temps, 3 buts à 1, incroyable, regardez ça, j'ai poussé ma balle. J'ai bien attendu le dernier moment et là, grâce à la confiance, sinon elle serait pas rentrée. Petit filet opposé, 3 buts à 1. Et voilà, on rentre au vestiaire avec ce score. Franchement, c'est super. Enfin, très 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 beau match. Malgré le but qu'on a encaissé, il n'y a rien à redire. On pose bien le ballon. Et ça change de quand on avait joué contre le Real. Franchement, on pose beaucoup plus et ça fait la diff. Parce qu'on sait le faire. Donc pour le moment, très très bien, on va reprendre ce match les gars et essayer de repartir d'ici avec la victoire. Attention là-dessus. Oh, attention, la remise. Non. Bien joué Lucas. Encore bien joué Lucas. Incroyable. Le double arrêt de Lucas Zidane les gars qui nous laisse dans ce match. Attention encore. Avec Ansu Fati, heureusement ça passe au-dessus. Attention, Ricky Pucci qui la met à Depay. Attention Ansu Fati. Ouh là 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 là, 3-2 les gars. Le beau combo. On est resté passif sur cette action et c'est logique qu'on se le prenne. Franchement, faut se réveiller, il reste 20 minutes. On a 20 minutes de faire un exploit, donc c'est pas malin qu'il faut lâcher les gars. Regardez, tout le monde ne bouge pas. C'est dommage, hein, c'est dommage. On n'est pas au marquage. Il faut qu'il centre maintenant. Allez, encore. Oh là là, il a tenté la frappe, c'est pas mal. Arrêt de Ter Stegen, mais bien joué. Allez, il reste une minute, les gars. Faut se battre. Faut se battre. Bien joué. Allez, et voilà, on s'impose, les gars. Leur deuxième défaite, c'est nous qui la faisons. Il n'y avait que nous pour la faire. On s'en est occupé. 3 buts à 2. Quel match de fou. 2 buts pour moi. 1 pour Mbolo. Franchement, j'ai fait un beau travail. Ils sont dégoûtés. Et il y a de quoi, parce qu'on a fait un match qui leur a posé énormément de problèmes. Elle fait du bien, cette victoire contre les premiers. On prouve qu'on peut largement leur faire face. Voilà, un but. 2 buts, une passe des pardons. En 3 tirs, donc franchement, c'est pas mal. Un taux de réussite de 50%. 10 de notes, donc j'imagine que je suis homme du match. Franchement, épisode de rêve. Tout est pour nous, Mbolo. 8-1 de notes, 10 pour moi, du coup. Et on a fait un très gros match. Niveau stats, ils ont un peu plus dominé niveau tir et possession. C'est logique, les gars, c'est le Barça. Mais franchement, on a produit du très, très, très beau jeu. Et je suis fier de nous. Voilà, tout le monde est ravi. Il y a de quoi. On va voir mon visage à moi. Est-ce que j'ai le trophée d'homme du match? Je sais pas du tout. En tout cas, on a affolé dans les vestiaires. Tout le monde danse. Oh, je sais pas, on me voit pas. C'est pas grave. On passe, les gars. Marcelino, j'espère qu'il a vu dans cet épisode que je pouvais lui apporter vraiment pas mal de grandes choses. On va juste faire l'entraînement. Et je crois qu'on est toujours 7ème par contre. Voilà. Ok. Alors. Ouais, on est toujours 7ème. Ils ont encore gagné Villarreal. C'est pas possible. On n'arrive pas à le recoller au train, j'ai envie de dire. On est toujours à 4 points du coup de Villarreal. On va simuler déjà jusqu'au prochain match de la prochaine vidéo. On va voir les infos les gars et on va s'arrêter là après. Donc, niveau info, Jeffrey auteur d'un doublé, nickel. Cadiz la défaite, ok. Real Madrid la victoire face à Valence. Ok, on espère une victoire bien sûr. Et info club, oh là là les gars,
On est joueur du mois de février, on va voir avec qui était sélectionné. Moi, Carrasco, Fatih et Mbolo, Mbolo logique. Franchement, il aurait autant mérité que moi, mais c'est grâce à mes performances exceptionnelles que j'ai été élu joueur du mois de février. On se quitte sur ça, les gars, c'est nickel. Merci à tous d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.